Première action, c'est que dans la vie financière, le pauvre, en fait, il joue en défense. D'accord? C'est-à-dire que, en fait, quand tu veux t'enrichir, il va falloir jouer en attaque. Tu ne peux pas jouer en défense. Okay, si jamais ton objectif c'est de payer juste des factures, par exemple, de payer tes factures à la fin du mois, tu peux te permettre de jouer en défense. Mais si jamais tu veux plus, tu as des plus grandes attentes, il va falloir viser beaucoup plus haut et voir beaucoup plus grand. Et du coup, à ce moment-là, il va falloir jouer en attaque et donc prendre des risques. Alors ça veut dire quoi prendre des risques? Ça veut pas dire faire des trucs, des chaînes de Ponzi et mettre son argent dans des trucs qui n'ont pas de sens, d'accord, et qui vont te faire perdre ton argent. C'est-à-dire de, par exemple, créer son entreprise. Tu vois, j'ai une formation par exemple pour pouvoir créer son business en ligne. Voilà, c'est même en plus, franchement, on parle de risque, mais c'est même pas réellement un risque. Le seul risque que tu as, c'est que je sais même pas c'est quoi le risque. Enfin, t'as aucun risque en fait, en vérité. D'accord, donc il y a plus de risques à ne rien faire que de faire quelque chose. Deuxième action qui différencie les riches et les pauvres, c'est que le riche va vraiment être axé énormément sur la liberté. Ça veut dire comment il peut se libérer en fait de l'esclavage de l'argent, entre guillemets. Tu vois, il veut vraiment pouvoir être le riche, veut vouloir voyager, veut pouvoir être libre d'acheter ce qu'il veut pouvoir être libre géographiquement. Donc la liberté, ça va toujours être quelque chose qui va être central au niveau des pensées du riche. Alors en contrepartie, le pauvre, d'accord, c'est pas péjoratif, mais c'est juste pour donner un nom. Bah lui, la liberté, c'est pas une priorité pour lui, d'accord. C'est d'ailleurs pour ça que souvent les gens vont te dire l'argent c'est pas important. C'est des personnes qui disent que l'argent c'est pas important, c'est parce que pour eux la liberté c'est pas important, parce que l'argent égale liberté. D'accord, l'argent n'est pas égal à ça va pas te rendre heureux, d'accord. Enfin, c'est pas le morceau de papier qui va te rendre heureux, c'est ce que tu vas pouvoir en faire. Donc l'argent égale liberté, tu vois. Donc si jamais tu commences à dire que ouais, l'argent n'est pas important, ben, ça veut dire que tu n'accordes pas beaucoup d'importance à la liberté. Donc voilà l'une des actions encore qui différencie le riche et le pauvre. D'accord, donc accorde beaucoup d'importance à la liberté et tu verras que l'argent c'est important. Troisième action, la classe moyenne va travailler dur pour pouvoir gagner de l'argent. D'accord. Alors que le riche va tout faire pour pouvoir faire de façon à ce que l'argent travaille pour lui. Alors bien sûr au début il va travailler dur parce qu'il y a une période où tu es obligé de travailler, d'accord, pour pouvoir lancer en fait cette sorte de, on va dire cette locomotive, pour avoir une sorte d'effet de levier, un effet cumulé, d'accord, qui va se produire. Mais une fois que tu as commencé à travailler, après l'idée c'est que le riche va investir son argent pour que après ça soit l'argent qui travaille pour lui et que ce soit plus lui qui travaille pour de l'argent. Et c'est pour ça qu'on parle de liberté, comme ça après tu es plus esclave de l'argent. Donc troisième action, c'est que le riche va tout faire pour faire de façon à ce que l'argent travaille pour lui. Quatrième action, c'est que les pauvres en fait vont toujours, je veux dire la classe moyenne, d'accord, la classe moyenne va toujours en fait se concentrer sur les obstacles. Ok, si jamais je fais ça, comment ça va se passer, et si ceci, et si cela, etc. Alors que le riche va toujours se voir l'obstacle comme un challenge, d'accord, une possibilité d'évoluer. Parce que si jamais tu arrives à un challenge qui te challenge justement, c'est pas lorsque tu vas réussir à passer ce challenge là, ben, ça veut dire que tu auras grandi. Donc en fait à chaque fois que tu vas rencontrer un obstacle, un challenge, c'est comme si c'était une épreuve de la vie qui te dit ok, ben maintenant tu es à cette étape là, si tu vas à l'étape au-dessus, il va falloir régler ce challenge là. Donc en fait c'est plutôt pris de manière positive, d'accord, parce qu'on sait que c'est ce qui va te permettre en fait de passer un palier au-dessus, d'accord. Plus tu vas t'enrichir, plus tu vas avoir des nouveaux challenges, etc., que tu vas devoir régler et ainsi de suite, et tu vas prendre de l'ampleur comme ça, d'accord.